Vous avez été nombreux à me demander des vidéos de vlog de mon séjour à Dubaï. Donc aujourd'hui, je vous livre la partie 2 de la deuxième journée. On a démarré avec des photos à l'hôtel, donc dans la suite qu'on avait prise à 362 000 la journée. C'était une suite très confortable, très VIP. On a profité en prenant les photos à l'intérieur. C'était au Pullman Hotel du Downtown City de la ville de Dubaï. Et donc, quand on sort de l'hôtel, on doit communiquer le numéro de la suite pour pouvoir faire venir son véhicule. On y va actuellement au Dubai Mall, parce que si vous vous rappelez, hier, on n'a pas pu accéder à l'aquarium parce que c'était fermé. Et donc aujourd'hui, on va prendre des tickets pour pouvoir accéder ensuite et puis apprécier l'environnement qu'ils ont pu créer à l'intérieur de l'aquarium. Là, actuellement, c'est des places. Si vous remarquez, la ville est juste lumineuse, très brillante, avec des véhicules de luxe. Ok, on a juste Burj Khalifa, là. Très, très bien. Ici, on a la maison des marques de luxe, Gucci, Dolce & Gabbana, Rolex. On est juste arrivé au Dubai Mall, on va parquer. Et sur un quai, il n'y a que des voitures de luxe. On vient d'apercevoir une Lamborghini. Là, on est entré dans le Dubai Mall. Dubai Mall, en fait, c'est le centre commercial le plus grand du monde avec une superficie de 1,1 million de mètres carrés. Donc là, on est dans l'aquarium extérieur. Comme ça, il y a des particules à l'intérieur. On voit un petit peu la présentation de l'aquarium. Et en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est d'accéder à l'intérieur pour pouvoir voir les poissons de plus près. On PM ou AM? PM. Ok. Et how much? Sir, here is aquarium tunnel, underwater zoo is together. Yeah. You will see fishes, otters, crocodiles, penguins. $299 each person. $299. Okay. For this? All. Okay. Ah, all package. $299. Okay. So for two person, you will how much? $299. Okay. Two tickets. Yes. Special card, sir. No, in cash. Your name is what? Come go. Can I give you my card? Yeah, yeah. That's my You need two names or only one name? So two tickets, right? Yes, two tickets. At what time will we begin tomorrow? At what time will we begin tomorrow? We can do it today? Yes. Ah, okay. No. Okay, that's crazy. That is 500. Attends, il confesse ça maintenant. Oui. Five. It's okay. 598. 299 for one person. Okay, okay. 300 dirhams par personne. Pas si cher que ça. Ça fait 50 000 personnes. Mais monsieur Derry, où est-ce que vous vous trouvez actuellement? Dubaï, Grand Mall. Et qu'est-ce que vous voulez faire comme attraction d'aujourd'hui? Bah, j'ai envie de visiter l'aquarium. Sir, l'extérieur. Yes. Finish the aquarium tunnel, underwater zoo, second floor. Okay. Second floor? Yeah. Second level? Second level. First here. Yes. Finish the second floor. Okay. Can I take a video, a photo of this one? Okay. My phone is. If he. He's going also? To take a video for us. So you need to buy 3 tickets. Okay, let's go. Opinion. 300. On y va. Là maintenant on est full. Ok. Donc actuellement vous avez fait un booking. Oui, j'ai pour 30 tickets. Vous avez fait un booking. Le caméraman. De 30 tickets par personne. Yes. Et je peux personne.
Oui, Monsieur Jerry, on sait que ce n'est pas donné d'arriver à Dubaï et de visiter entièrement l'aquarium du Grand Mal. Comme on est en train de constater dans le couloir, on vous trouve tout seul comme une personne très spéciale. On sait que d'ailleurs vous êtes un homme spécial. On peut constater que d'ailleurs plusieurs personnes voient à distance. Mais vous avez eu le toupet d'enregistrer une colossale somme parce que vous voulez visiter l'aquarium de Dubaï. Oui, dites-nous, quelles sont vos attentes par rapport à cet aquarium que vous allez aller visiter tout à l'heure, dans quelques secondes, dans quelques minutes? J'ai juste envie de découvrir en fait, parce que c'est quelque chose de spécial. Normalement, on a l'habitude de voir ça dans la nature. Et là, ils ont fait ça de manière artificielle. Et je n'ai jamais eu l'habitude de le visiter en réel. Donc là, c'est juste impressionnant pour moi de découvrir l'environnement, de prendre les vidéos pour ensuite faire un bon montage et partager à ma communauté. Dans quelques minutes, on va vous voir en train de naviguer, de planer avec des requins, les requins blancs. Ouais. Parce que vous m'avez dit tout à l'heure que votre secret, votre souhait sera de toucher du doigt le requin blanc et tous les autres poissons. Donc, on a pris quelques photos avant d'entrer dans l'aquarium. J'ai bien apprécié l'environnement, le décor ici. C'était pas mal. Regardez-moi les amis. Oui, il n'y a pas de souci. C'est même très frais. J'aime bien. Oh, très beau. Hein. Wow. Est-ce comme ça de prendre les photos? C'est juste magnifique. Non, ici, on était complètement en immersion dans l'aquarium. Donc au-dessus, on a de l'eau et en bas, on a comme un tunnel vide dans lequel on peut circuler et apprécier l'environnement interne de l'aquarium. Donc on a pu prendre des photos à l'intérieur parce que c'est vraiment magnifique, c'était impressionnant. Ils ont également fait part du fait que les vitres de l'aquarium avaient des épaisseurs de 17 cm carrément. Donc, sont des épaisseurses assez solides qui ne peuvent pas se fracturer. Donc, on est en toute sécurité. Ah, you don't take picture here? Ok. Even video, sorry. Ok. Inside water? No. Ah. Ça, c'est le sauvetage. Ok, in the water, ok. No, I don't know. On peut marcher à l'intérieur, c'est juste. Wow. Donc là on est à l'intérieur en fait de l'aquarium et si vous remarquez il y a des poissons un petit peu partout. C'est une profondeur de 11 mètres avec plus de 20 000 poissons d'après ce qu'ils nous ont expliqué. On a une sirène qui est sortie dans l'eau. La dimension d'une glace comme ça là, pour l'aquarium, 17 cm. Et maintenant, on va finir la dernière fois. 7 centimètres, 8 centimètres. Pour diving. So it's around 350. What? Like. Pour descendre. Pour descendre. Dans la cage. Direct diving from here, direct. Yeah, like this. Tac. Look, bon, on est arrivé à la fin. On a fait notre tour. On a revu le dernier poisson. Bye bye, Bouddha. Let's go. Okay, it's okay for us. Okay.
Ah. Okay. Je vais prendre cette photo, c'est très joli. Hein. Il y a les crocodiles. Il y a les crocodiles. On va partir. Il y a les crocodiles aussi. Il y a les pingouins, les tortues. Ici, ils ont fait carrément tout, tout l'équipement maritime. Thank you. Comme vous êtes en train vidéo, de vidéo, vidéo. Là. Ça, c'est une tour de contrôle. Ça, c'est un bateau qui a chaviré. Ils ont essayé de représenter un bateau, un navire qui a chaviré. Regardez la nature aussi, c'est juste impressionnant. Il y a vraiment beaucoup de taf. J'ai énormément apprécié l'environnement à l'intérieur de l'aquarium. C'était ma première fois. J'avais l'impression d'être dans un film de science-fiction. Parce qu'il y a vraiment tout type d'environnement là-bas. J'ai vu tout type d'espèces quasiment. Je vous laisse découvrir. Vous voyez, c'est juste magnifique. Il faut y vivre pour y croire. How much? 185 balls, sir. 75? 185. 185? Yes, sir. Okay. Welcome. Thank you too. It's very good. I like it. Thank you. Welcome. Donc là, on a un petit peu les dalles au ventre. Parce qu'on a dû marcher pas mal dans le grand mall. Et puis, ça faisait à peu près 3 heures de temps qu'on n'avait pas mangé, donc du coup on avait un petit peu soif, donc on a pris des glaces avant de continuer notre trajet, parce que la distance parcourue dans le Dubai Mall était juste énorme, donc du coup forcément il y a eu un petit peu de mal au ventre. Donc comme vous vous rendez compte, il y a quasiment tout type d'espèces dans l'aquarium. C'est vrai qu'on n'a pas vu des lions, mais des lions, des éléphants, mais voilà, on a quand même vu des espèces, des mini-espèces. Et c'était juste impressionnant. Il y a des tortues, vous avez vu. Ensuite, il y a cette scène ici qui était juste magnifique parce qu'on voyait des pingouins jouer ensemble de manière groupée. Et ça faisait vraiment plaisir de voir ça en réel. On n'a pas la même sensation quand on regarde à distance. Par contre, quand on vit la scène, ça a un goût vraiment très différent.
veux goûter. Le bitapola. Là, comment Mario. Pourquoi tu manges le bitapola? Hein? Parce que je veux. Parce que tu veux. Tu es sûr? Pas sûr. Ici, on assiste à des séances d'animation des jets d'eau. Ce sont en fait des animations synchronisées avec la musique en fonction de l'impact ou alors de l'intensité du son, il y aura des réactions de l'eau. C'est juste hallucinant parce que généralement, ce sont des effets qu'on réalise de manière assistée à un ordinateur, donc sous forme de trucage, donc, du coup c'est virtuel. Par contre là, on aperçoit cela dans la réalité. C'est juste magnifique. Si vous voyez, il y a pas mal de spectateurs qui apprécient l'effet. Et j'ai quand même été impressionné là, genre. J'ai quand même été impressionné. J'ai été très impressionné. Parce que là, à côté, on a le Dubaïma. Ensuite, on a ça. Ensuite, on a le Burj Khalifa directement. T'as l'impression d'être dans un autre monde. Et si vous remarquez, là, dans le background, on a des buildings à 80 étages, 50. C'est un autre monde. Ils sont fous, les gars. Applaudissez. Vous allez nous dire où est-ce que nous sommes actuellement? Nous sommes en bas du Burj Khalifa, à peu près à 500 mètres du Grand Mall. Et on vient juste d'assister au jet d'eau synchronisé avec la musique. C'était vraiment très très impressionnant. On a également pris des photos dans ce petit ballon lumineux. Oui, vous avez toujours entendu parler du Burj Khalifa. Ouais. C'est la première fois que vous arrivez à Dubaï? Ouais, c'est la première fois que j'arrive à Dubaï. C'est la première fois que je me rapproche du Burj Khalifa. Et d'après votre constat, qu'est-ce que vous avez constaté de Dubaï que d'autres pays n'ont pas en particulier? Il y a énormément de gaieté, il y a de la sécurité, il y a un trafic de malades. La ville est vraiment impressionnante en termes d'architecture. J'ai vraiment été impressionné de me rendre compte que quasiment 85% des immeubles que j'ai vus étaient vraiment magnifiques. Très éclairé avec une architecture qui sort vraiment du commun. Sur une échelle de 1 sur 10, vous pouvez noter combien? Je note Dubaï à une échelle de 10 sur 10. Ruine. Ça veut dire que Dubaï mérite. Parce que vraiment les habitants de Dubaï également sont vraiment très 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 sympathiques. Ils sont juste géniaux. Vous en tant que conseiller du marketing digital, est-ce que vous pourriez conseiller à quelqu'un un jour de pouvoir investir ou de venir visiter Dubaï? Bien sûr, parce que on investit ça à Dubaï. Étant donné que les habitants ont un grand pouvoir d'achat,
on est très très vite dessus de pouvoir rentabiliser son investissement, d'accord. Et puis celui qui a un capital assez abordable qui souhaite se lancer en Afrique, je pense qu'il aura pas mal de difficultés là-bas, étant donné que le pouvoir d'achat n'est pas très élevé, il y a des risques d'agression, de braquage et tout. Pourtant ici j'ai l'impression qu'on est au paradis en fait. Ici c'est le paradis super. Et moi j'ai l'impression que où je suis à Douala, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route. À chaque fois que je vais à l'ouest, il y a des crevaisons. J'ai fait 5 tours à l'ouest, j'ai perdu 5 pneus. Après Dubaï, j'ai fait un voyage à l'ouest et j'ai à nouveau perdu 2 pneus sur un voyage. Donc, vous imaginez la route de l'ouest, c'est la route de l'enfer. Il y a énormément d'épaves. Donc j'ai fait cette vidéo pour justifier ce que j'ai dit dans ma vie de Dubaï. Alors ce sont les routes de l'ouest. Un voyage de crevaisons. Oui. Pour un qui... Voilà, deux déchirés carrément. Un voyage de crevaisons. Par contre ici, on est en parcouru toute la ville. Il n'y a pas eu un seul nid au goudron. Et c'était vraiment pas sympa. C'est ça. Et également le fait qu'il n'y ait pas de moto, taxi, dans tous les sens, ça rend la conduite agréable. Il n'y a pas la possibilité d'avoir des scratchs sur le car. Tu peux rouler ici pendant des années sans jamais gratter ta voiture. Okay? Par contre, à Douala, c'est un bordel total. Également, le respect du code de la route à Dubaï est juste impressionnant. Okay? On respecte le feu de la route, on respecte les feux rouges et ça permet bien d'avoir un trafic organique. Okay? Par contre, chez nous, c'est sécurisé. C'est pas ça. Chacun fait ce qu'il veut. Feu rouge, il passe. Et vraiment, c'est un peu saoulant. Ça ralentit le trafic. Bon, j'ai vraiment été très impressionné également dans le Grand Mall. On est sur une surface de plus de 2 km carrés. Parce que le trajet qu'on a fait hier, comparé au trajet d'aujourd'hui, c'est complètement en fait différent. On n'est pas passé au même endroit hier et aujourd'hui. Par contre, on a marché plus de 2 heures qui est dans le Grand Mall. Actuellement, si on me demande d'aller chercher le véhicule, je ne saurais même pas où est-ce qu'il y arrive parce qu'on a traversé 5 parkings en étage, 5 levels de parking. Premier level, il y avait des voitures. Deuxième level, il y avait des voitures. On arrive jusqu'au cinquième level avant de garer. Et quand tu arrives là, t'es perdu. J'ai l'impression que le Grand Mall, c'est un quartier en fait. C'est juste vraiment magnifique. Nous découvrions comme ça Madame Vania au pied du Burj Khalifa à Dubaï. Madame Vania, vous êtes arrivée à Dubaï pour en tant qu'une opératrice économique et une conseillère dans le marketing digital. Vous êtes arrivée à Dubaï pour un petit séjour de repos. Quelles sont vos impressions par rapport à ce que vous avez pu rencontrer à Dubaï? Tout d'abord, ma première impression, c'est que j'ai trouvé la ville très belle. Et les personnes ici sont très sociables et surtout très souriantes. C'est ce qui m'a le plus marqué. Ok, nous sommes flattés déjà. Et ce que je voulais vous demander en deuxième plan, vous en tant que conseillère dans le digital et le marketing, oui, est-ce que vous pourriez conseiller à une personne qui veut démarrer un business à Dubaï? Oui, je peux conseiller de venir faire les business ici. Pourquoi? Parce que il y a les assises ici sont très moins chers. Surtout du côté de la ville de Dera, les prix sont très très abordables. Du coup, ils peuvent venir acheter en gros ici, aller revendre en Afrique et se faire beaucoup d'argent. What do you think about the road? The road is very flexible. The traffic is not like in Cameroon. In Cameroon, you can stand for a while, like for 4 hours to 10 hours in the same place. Or here is up to like 5 minutes after it's over. What is the traffic story? What is that? I don't understand. Which one you like? Which is favorite? Chocolate, vanilla. 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 Who is your boyfriend? Me. Vanilla. Yeah. This guy is very thank you. But this guy comes and stand here with another lady here. No. Don't fight now with him. Which one do you like? Vanilla? Yes. She's named Vanilla also, eh? No, I don't know Vanilla. His name is Lemon. Vanilla. Et dis que tu jongles, tu les jongles. I don't know how to do so. This one? Yeah.
And look good. Hold it. Yes. Like it, like it, like it, like it. Break, no problem. Break, no problem. Break. Mabi mushkil hemsik habibi, hemsik. Hey. Oh man, you do that? Because you yeah. Now she will cry. Hey! Arrête, non, accrape ça. Oui, mon collègue que tu es une guerrière. Accrape. Vas-y, non, il y a un problème. Accrape. Oui. Hey. Vas-y, accrape. Vanny, attrape ça. Okay. Voilà, il faut lui montrer. Si tu attrapes, c'est que tu as gagné. Hop, hop. Vanny, tu ne peux même plus. Attrape, montre que tu es une lionne. Try. Ice cream, ice cream. You know what he said? I want second one. Yes. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette vidéo, partagez-la si ça vous intéresse. Et puis, faut savoir qu'à la fin de la journée, on a pris des photos à l'extérieur du Dubai Mall et du Burj Khalifa. C'était juste impressionnant. Avec également la Lamborghini, on a pris des photos avec. Vous voyez, ça rend très bien. J'ai vraiment apprécié mon séjour à Dubaï. Allez, on se retrouve. À très bientôt pour le troisième vlog. Allez, ciao, c'était Jerry Kamgan.